Bon courage. Et donc, comme promis, Crash TF Baiken contre Testarossa et Jaco. Et Testarossa, on connaît, hein, meilleur Jaco française, je pense. Un joueur de haute qualité, et Crash TF, eh bien, je suis un profane, je ne connais pas ce joueur, je vais découvrir peut-être avec vous, peut-être que vous allez m'en apprendre plus. Et Baiken, hein, le perso de la France, tellement de joueurs de Baiken chez nous. Là, Testarossa, ouais, qui est pas mal parti, il a arrosé l'écran de Mignon, on a bloqué le Gold Burst, très bien joué. Ok, c'est parti, là c'est le game plan de Jaco, qui est en route. Ah, le Dutt qui a whiffé, et Crash TF qui trouve la shop, Kabari, instant overhead, et le combo Kabari avec le wall break. Et le combo avec la super, est-ce que ça va tuer? Non, ça tue pas. Mais c'est pas grave parce que Testarossa est en bonne position. On joue les minions. On a Crash TF qui a tenté de mettre le flingue. Testarossa était prêt à garder. Et là, ok, on tape pas dans le shield. Le gold burst. Vraiment Testarossa qui veut rien savoir. Qui veut pas que son adversaire l'approche d'une quelconque manière. Et c'est le premier round qui est pris. Par Testarossa. Ok. Ta chef, on voit qu'il connaît bien le match-up. Il tape dans les minions. Il laisse pas Testarossa faire sa life devant lui. Ok. 6P. Avec la conversion du Kabari, on met pas le wild assaut. Mais c'est pas Kabari. Follow-up. Roman. On force le burst chez son adversaire. Est-ce que Testarossa va essayer de rentabiliser son burst? Ok, Roman John. Et le flingue dans le setup de Mignon. Un round partout, Crash TF qui a toute sa barre de burst. C'est clairement un gros avantage. Est-ce qu'il va pouvoir burster sur ce combo? Non. On laisse son adversaire finir et mettre full screen. Oh, le Kabari nature qui passe. La corde pour mettre le mix-up, voilà, backdash, SOS, l'adversaire, enfin Testarossa qui arrive à s'en sortir, mais qui prend le burst et le wall break. Avant pour Testarossa, c'était pas une super, donc c'est retour au neutral. Et là, le 5 déchargé qui passe pour Testarossa, une très bonne nouvelle. Oh, dommage. Le flingue qui était bien réagi par Testarossa, mais malheureusement il n'a pas le temps de mettre la garde. 1-0 pour Crash TF. Ok, on met des petits P dans les minions. On saute par-dessus. Le shield était bien tenté par Testarossa, mais Crash TF qui a changé son option. On voit les adaptations sur les adaptations. De Yosansen entière, 5S pour prévenir la fuite de son adversaire. Testarossa qui arrive quand même à sortir du coin, mais au prix de pas mal de PV. Le Kabari avec le 2H pour maximiser les dégâts sur Loki, enfin sur l'OTG. Et là, voilà, j'ai apprécié, ouais, la corde qui a cassé le combo de Testarossa. Il n'a pas su adapter sa phase, et le 5S qui va interrompre Testarossa au milieu de son... Bah, de ce qu'il essaie de faire avec ses minions. Il suffisait de ça.
très bien. Le JH Johansen. Crash TF qui aime bien faire les VPG là avec, avec Bacon pour maximiser les dégâts. Et ça a l'air de lui réussir en tout cas. Ok, Wild Assault Kabari. Oh là là. La pression là. Les Stagger, les Rivet en plein milieu. Et encore une fois, comme au premier match, le Dust de Testarossa qui passe pas, qui est trop loin. Et encore une fois, la quad qui vient déstabiliser le combo de Testarossa. Le Yellow Roman dans le Dust. Et 2-0 pour Crash TF. Qui laisse juste pas respirer Testarossa, il lui laisse pas le droit à quoi que ce soit. T'en vas ? Ok, bah écoute, ça fait quand même plaisir. Yep. Bah ouais, c'est... t'as vu, c'est stylé. On est bien. Hein. Bah écoute, bah ça fait plaisir. Et bah, on fait de notre mieux. Bon bah t'inquiète. Hein. Bah yes, bah ça fait cool que tu sois passé, que t'as pas trouvé. Bah vas-y. Bah bon week-end. On se voit bientôt. Ok, excusez-moi. C'est un ami qui dit au revoir. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Testarossa qui a pris un ramp sur Crash TF. C'est bon signe pour lui. Parce qu'il était quand même à 3 rounds successifs, je crois, perdu. Ok, et l'anti-air avec la super, très bien. Ça va faire des bons dégâts, ça. Il n'y a pas beaucoup de scaling. Et on met le mignon vers l'adversaire, cela dit, la chef qui s'échappe bien et qui cette fois trouve Wild Assault, la corde, et là ça va être la couverture avec la corde, Kabari, Wall Break, Wild Assault. On met pas la super, j'imagine pour garder des Romans, par exemple comme ça, on garde le Roman Yellow et ça rentre partout, le comeback de Crash TF. C'est vraiment, dès qu'il trouve une ouverture, c'est la domination. J'ai dit, Testarossa qui trouve son entière au fini avec le 6K. Et le match de Crash TF, et là, c'est parti, c'est le mi. Le Johansen Louis, on ouvre avec le 5S, le Burst, on revient à l'agression. Le Roman sur le Johansen. Ok, les poupées. Oh, il faut taper à 3 là, ça fait mal. Le Roman. La chope en défense de Testarossa. Très bien joué. Et c'est Crash TF qui trouve le back jump HS. Et là, c'est très... C'est Testarossa qui met la pression, mais... c'est aussi vite qu'on s'est en danger. C'est assez terrible, mais c'est très bien joué. La boule qui vient interrompre le hard dash. Testarossa qui s'inscrit au score 2-1. Ok, Testarossa qui s'inscrit au bloc tout de suite, il veut rien savoir. Mais Crash TF qui est très bon pour aller vers l'avant. Et là, le... Oh là là, ça fait tellement dur à bloquer. Le back dash au Vansen là. En décalage, et encore une fois le concept, le burst à 1 PV, le perfect de Crash TF, balle de match. Et Testarossa ouais, qui a consommé son burst, c'est vraiment dangereux. Et là le combo Kabari qui fait très mal, comme si tu prenais un combo dans le coin. Le Kabari Johansen et 3-1 pour Crash TF contre Testarossa. Très bien joué, mais une performance vraiment dominante de sa part.